Bonsoir. Il est enfin là, lui. C'est le championnat d'Afrique des Nations. Plus que quelques heures et les fans de football pourront vivre la grande messe du football local. L'heure est au dernier réglage, les visites ministérielles et interministérielles se multiplient. Chacun vient évaluer son cahier de charge. Si les signes de cet événement ne sont pas particulièrement visibles, on note tout de même que des nids de poules sont bouchés de part et d'autre. Bien que ceci soit à l'origine de nombreux bouchons dans la capitale économique, le souhait est de remporter cette compétition et plus loin, avoir un cadre de vie agréable et périn. Ceci amène tout de même à s'interroger. A-t-on besoin d'événements particuliers pour améliorer notre cadre de vie? Puisqu'on parle du CHAN, les Lions à prime, au regard de leur performance, ont-ils les chances de remporter cette sixième édition organisée dans nos murs? La compétition qui démarre ce 16 janvier est également au cœur de plusieurs polémiques, qu'il s'agisse des stades, des voies d'accès et tout récemment des véhicules. Doit-on croire en tout ce qui est dit? Ces questions et bien d'autres, je vais les poser à un acteur de ce rendez-vous sportif. Diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris, c'est un expert en banque et finance, chef d'entreprise et également homme politique, cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Connu pour son caractère bien trempé, il n'a pas sa langue dans la poche. Coordonnateur du site de Douala Bépanda, Hervé Emmanuel Nkom est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et meilleurs vœux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Ariane, bonsoir, bonne heureuse nouvelle année à tous les téléspectateurs de cette excellente émission. Merci. Avant de commencer, je vais dire c'est Oriane, sinon notre Oriane, réalisateur Ariane, va. c'est la fusée. Mais bon, Oriane. Voilà, sinon on va être rappelé tout à l'heure. Alors, à moins de 48 heures du début du championnat d'Afrique des Nations, est-ce que les groupes B et C qui sont logés dans la ville de Douala sont toutes les équipes sont déjà là? Oui, la dernière équipe qui était attendue a atterri cet après-midi à Douala, c'est-à-dire l'équipe du Royaume du Maroc. Donc, tout est prêt en ce qui concerne la poule C, équipement, équipe, tous les acteurs sont dans la ville. Alors, comment vont se passer les entraînements? Comment est-ce que les équipes vont rallier les lieux d'entraînement? Je le dis au regard quand même des embouteillages dans la ville de Douala. Ben, écoutez, vous avez dans votre mot introductif tout à l'heure parlé du fait qu'il y avait des embouteillages. C'est une réalité, mais vous ne pouvez pas faire une bonne omelette sans casser les œufs. Et puis, il faut qu'on se comprenne. Il y a des gens qui ont tendance à faire croire que organiser un match de football, ça n'a aucun impact sur d'autres secteurs de la vie. Ils se trompent totalement. Laissez-moi vous expliquer une chose. Vous savez pourquoi il y a la Tour Eiffel? C'est à l'occasion d'une exposition universelle qu'on a construit la Tour Eiffel. La gare d'Orsay, le Trocadéro, la Cité internationale universelle, c'est à l'occasion des Jeux olympiques qu'on a construit. L'aménagement de ce qu'on appelle le 9-3, puisque les Camerounais aiment beaucoup l'actualité française, c'est-à-dire le 93 avec le Stade de France, c'est à l'occasion de la Coupe du Monde. Donc, l'organisation d'une manifestation sportive de ce niveau est une occasion pour faire une politique d'aménagement du territoire, améliorer notre cadre de vie, booster l'économie, booster la culture, changer l'environnement. Et c'est le cas actuellement. Pour revenir donc à votre question, il y a des embouteillages parce qu'il faut libérer des magnifiques infrastructures dont tout le monde nous envie et autour desquelles nous devons avoir une fluidité dans la circulation. Donc, nous corrigeons nos habitudes. Ce n'est pas une brimade. Si on est en train d'aménager les abords, par exemple, du magnifique stade de Bépanda, c'est parce que des gens avaient squatté en faisant des gares routières sauvages, sans titre foncier, le lieu des vieilles voitures et tout. Donc, pour recevoir nos invités, l'Afrique et le monde entier qui va regarder ces jeux qui sont uniques, parce que nous sommes le seul pays, grâce à la réussite de notre politique de résilience par rapport au Corona-19, qui allons organiser une manifestation sportive de ce niveau en cette période. Donc c'est un événement à l'échelle internationale et nous devons montrer le meilleur visage de notre belle cité. Moi, je suis né à Douala, donc je voudrais qu'on voit le beau visage, le meilleur visage de mon village. D'accord. Est-ce qu'on n'est pas un peu en retard dans
ces nids de poules arrangés. On sait quand même qu'on devait recevoir le Chan depuis longtemps. Est-ce qu'on ne savait pas que cet événement arrivait? Est-ce qu'on n'est pas un peu en retard de rafistoler tout? Vous dites qu'on n'est pas en retard sur certaines choses, ce serait faire preuve de mauvaise foi. D'accord. Et je pense que dans notre entretien, je dois m'ouvrir à vous. Mais le ministère de la Culture est le seul endroit où on ne demande aucune compétence. C'est-à-dire, vous dire on aurait. Les gens n'intègrent pas les contraintes qui ont été les nôtres. Et la dernière, qui n'est pas la moindre, le Covid-19. Et les événements que vous connaissez dans le nord-ouest, le sud-ouest ou ailleurs, qui ont mis du retard, non seulement dans ce projet gigantesque, mais quand même d'une très grande réalisation sur des infrastructures qui vont durer sur des siècles. Mais ça a impacté sur nos capacités, nos moyens que nous avions pour organiser tout cela. Toujours est-il que nous sommes prêts et que nous allons donner certainement la meilleure manifestation. Moi, j'ai les confidences des membres de la CAF, et je les trahis pas, ils me disent ce qu'on est en train de faire au-dessus du niveau de plusieurs cannes que nous avons organisées sur le continent. Vous savez que l'événement footballistique majeur sur le continent africain, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et d'abord, le nombre d'équipes qu'il y a au Chan, la qualité de l'organisation, y compris jusqu'au moindre détail, c'est des choses qu'on n'a pas vues dans plusieurs cannes. Donc, on paraît en retard dans certaines choses, mais c'est parce qu'on veut bien faire et qu'on doit faire jusqu'au bout, malgré les obstacles que nous avons pu rencontrer. En tout cas, nous sommes prêts. Vous empiétez sur la question suivante. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que vous, coordonnateur du site de Douala Bépanda, est-ce que vous pouvez nous dire à cet instant que nous sommes prêts? Prêts. Nous sommes prêts, plus que prêts. D'ailleurs, je dois vous indiquer, parce que tout le monde ne saisit pas souvent la situation particulière de Douala. Okay. Douala, à cause de son dynamisme et du fait que c'est la ville amoureuse du football, a deux sites. Sur les quatre sites du Chan, Douala, lui seul, va abriter deux sites qui sont coiffés et managés par Samuel Ivaré Dubois, gouverneur de la région du littoral. J'ai la partie urbaine, puisque les stades, parce que tout le monde dit stade, là, que c'est pas la même chose. D'accord. C'est sur cet environnement, on a construit des nouvelles infrastructures, et j'ai deux stades, dont le stade principal olympique, de compétition, que les gens continuent à appeler réunification, mais c'est autre chose, puisque ça a 40 000 places maintenant, d'accord, et un stade d'entraînement qui a des places assises de 1 500 places couvertes. Donc, le gouverneur Ivaré Dubois préside donc le comité des sites de Douala. Oui. J'ai Bépanda et il y a le joyau Japoma qui est présidé par l'honorable Abel Calvin Joquet, mon ami, et qui est dans l'histoire. Il faut voir. Vous savez, si on n'a pas vu Bépanda, on n'a rien vu. Si on n'a pas vu Japoma, on n'a rien vu. Donc, nous avons donc ces deux sites dans Douala et qui font que les travaux ont été gargantuesques, gigantesques. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que sur la base du cahier CAF, nous sommes prêts, puisque différentes inspections de la CAF qui sont passées sur nos installations ont qualifié ces installations. Et M. le Premier ministre, Dr. Dion Goûté, les a visitées. Et je peux vous dire, parole d'un éminent membre de la CAF, ancien footballeur professionnel, le secrétaire général adjoint, Bafoué, Anthony Bafoué, qui a dit « Je suis fier d'être africain en voyant ces installations ». Donc, nous sommes prêts et maintenant qu'on a desserré un peu les taux sur le nombre de spectateurs, même si ce n'est pas full, ça sera 25% au départ, regardez l'enthousiasme, les gens cherchent des billets, c'est incroyable. Et vous avez vu le match Cameroun-Mozambique, il y avait 20 000 personnes qui étaient aux entrées du stade. Heureusement, y compris sur le plan des services de sécurité, tout est bien tenu, donc nous sommes prêts. Bon, on doit comprendre que par extension, Japoma aussi est prêt. Ah, attention, Japoma est plus que prêt. Japoma, c'est un stade futuriste, c'est un stade du vrai 21e siècle, vous comprenez? Bépanda, c'est comme si vous jouez, par exemple, à Old Trafford, à Londres. Japoma, c'est plus beau. Japoma est de la taille
de la beauté, c'est plus beau sur le plan architectural que le Stade de France, même s'il n'a que 50 000 places. Et Japuma, excusez-moi, bon, vous voyez, j'en suis tellement amoureux que je peux vous en parler. Japuma, c'est 58 hectares. C'est une ville qu'on a construite avec plus de 12 000 places et des lampadaires. Il doit avoir quelque chose comme 30 000 lampadaires. C'est une nouvelle ville et qui a entraîné un réaménagement des pénétrantes et tout l'air. Donc, c'est vraiment une grande réalisation lumineuse. Et en ce qui concerne Bepanda, je pense qu'il faut qu'on y aille pour voir ceux qui ont été là-bas. J'ai un de mes fils qui m'appelait de l'étranger en me disant, papa, il se raconte que c'est pas vrai, c'est pas au Cameroun qu'on voit ce stade. J'ai dit, mais il se raconte que ton père qui te parle, te dit qu'il était, et vous, tu m'as vu dedans. Pendant le match, il m'a dit oui. Donc, je dis, je te confirme que j'y étais. Donc, il faut y aller pour y croire. C'est magnifique. Et je dois rendre l'hommage au père, à celui qui l'a fait, le président Paul Biya. C'est une légation à la jeunesse qui va rester pour les centenaires, les siècles qui arrivent. Et nous n'aurons plus de complexe. Nous rendons au sport ce que le sport a donné au Cameroun en y faisant des instruments de développement, d'aménagement du territoire, de l'amélioration du cadre de vie et du dynamisme. C'est multiprofessionnel. Moi, je fais la prédiction que le Cameroun sera parmi les rares pays d'Afrique qui pourront demain réclamer soit les Jeux Olympiques, soit la Coupe du Monde. Vous comprenez? Et je n'exagère en rien. Si vous y avez été, vous tombez amoureux. C'est comme si vous avez été visiter Rome. Je dirais quoi, qu'est-ce qu'il y a en Égypte qui pouvait vous attirer? Les pyramides. Les pyramides, voilà. Ou le Nil, parce que j'ai un peu les origines égyptiennes. Quand on a vu le Nil, on revient en Égypte. D'accord. Vous voyez, si vous voyez Japoma, vous revenez à Douala. Déjà vu quand même. Ouais. Alors, dites-nous, quand vous parlez avec tout le monde d'engouement, qu'on a l'impression que des événements de ce type ne tournent qu'autour des stades. Non, je pense que vous êtes un peu dur dans votre analyse ou, disons, perception de ce que nous sommes en train de faire. Les événements de ce niveau sont l'occasion d'une présentation fusionnelle des différentes puissances et forces que nous avons. À l'occasion de ces événements, vous allez voir la gastronomie camerounaise se mettre en gestation, l'art et la culture camerounaise se dévoiler. Vous comprenez? Mm-hmm. Bon, mais le professeur Nassim Olekomi, ministre du Sport, président de COCAN, qui nous a entraînés dans cette belle aventure, il n'est pas le ministre des autres domaines, mais il bouge ses collègues, et c'est la raison pour laquelle M. le Premier ministre est le président du comité national. C'est-à-dire qu'il met en fusion pour faire les routes. Il a fallu qu'on mobilise le ministère des Travaux publics, le ministère du Développement urbain. Vous avez vu tout ce qu'on fait. Vous avez vu tous les efforts que la ville de Douala et les différentes communes d'arrondissement font. C'est excellent. Donc, ce n'est pas simplement le fait qu'on tape dans le ballon qui va être l'événement. C'est la fusion, le fait que nous allons surmonter quelque chose qui a fait peur, le risque de voir notre humanité disparaître avec Corona-19. Et nous avons là l'occasion de montrer qu'on va célébrer la vie, célébrer nos capacités à être ensemble et en même temps, ça va inspirer les jeunes qu'il est plus important d'être ensemble, même dans notre diversité, plutôt que de prendre des armes pour créer l'inquiétude dans certains endroits. Donc c'est une occasion que nous allons magnifier pour le vivre ensemble et la beauté, l'enthousiasme, prendre le dessus sur la peur. Voilà. Bon, ma question, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup entendu parler des hôtels, des restaurants. Ah, vous avez tort, vous n'êtes pas très informé, Oriane, vous qui êtes. On nous a beaucoup présenté les stades, est beau dans les stades, mais difficilement les hôtels. Alors, je pense qu'il y a un problème d'information, mais à coup de pas. Nous ne sommes pas parfaits, chacun son métier. On aurait pu communiquer peut-être mieux. Hein? Mais vous ne pouvez pas organiser une telle manifestation si vous n'avez pas une infrastructure hôtelière du niveau exigé par les normes CAF. Vous voyez? Là, je découvre à l'occasion de cette manifestation que nous avons des capacités que nous ignorons parfois nous-mêmes. Parce que lorsqu'il y a eu, dans les prévisions de l'organisation, c'était des chambres twin pour chaque délégation. Mm-hmm. Avec le Covid-19,
On nous a imposé les singles, chaque délégation. Eh bien, à Douala, par exemple, nous avons les capacités d'accueillir 10, 20 équipes, comme nous le démontrons là actuellement, et chacun a une seule chambre. Je vous donne ça. Donc, ce sont des choses que les gens ne connaissaient pas. Et ceux qui visitent nos hôtels découvrent que nous avons de très beaux hôtels. La CAF a décidé de saler son siège à Douala. Je ne vais pas faire la publicité, mais dans un hôtel magnifique qui a été construit par des Camerounais, appartenant à des Camerounais. Il s'agit, pour ne rien cacher, de la falaise Bonapiso. Nous avons les Starland et tout ça. Je m'excuse pour les autres que je ne cite pas. Donc, ça a été, c'est l'occasion de la mobilisation de nos capacités économiques, nos infrastructures, au-delà des infrastructures sportives. Et si le Cameroun va présenter le plus beau champ depuis son histoire, c'est parce qu'il va présenter les meilleures infrastructures et sportives et infrastructures hôtelières, gastronomiques, tout. Maintenant, vous avez vu la visite de Tara dans la ville de Douala. C'est magnifique, non? Bon, on m'a dit qu'il n'avait pas de masque, mais bon, il avait la langue pendue, mais ça a été magnifique. Ça montre que nous avons besoin de l'enthousiasme, du vivant, de l'animation. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même, ou alors peut-être qu'il faut que je vous pose ça directement comme ça, est-ce que le volet communication est en chemin ou il est déjà en cours et nous ne comprenons pas bien? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas bien? Le fait que vous pensez qu'il n'y a pas eu assez de banderoles à Douala. La ville. Bon, alors il faut faire une distinction entre la communication du comité d'organisation du CHAN, de la CAN, du COCAN. Je pense que personne ne peut contester les compétences d'Abel Mbengue, qui est quand même un patriarche, un maître de l'art, et de l'expertise des uns des autres, de Lipita Tongo, qui est membre, par exemple, du site de Douala Bepanda. Donc nous avons des talents. Mais maintenant, il y a aussi une communication de la ville. D'abord, nous faisons la manifestation vient à la suite des fêtes de fin d'année, et vient à la suite de quoi? De Corona-19. Et donc, on peut regretter qu'il y ait un peu de timidité encore sur l'affichage, les banderoles et tout, mais je peux vous assurer que allez demander à tous ceux qui cherchent les tickets partout dans la ville, au Cameroun, ça vient de partout, les tickets s'en vont comme des petits pains. Et je dois d'ailleurs profiter pour m'excuser auprès de ceux qui ne pourront pas accéder aux infrastructures, que nous le regrettons, mais c'est quelque chose qui nous est imposé par les mesures barrières et la volonté du gouvernement de ne pas prendre de risques, le principe de précaution. Donc, la communication, nous la faisons, peut-être pas assez, mais je pense que d'autres se chargent de dire ce qui n'est pas vrai. Donc, le Congo, ça fait aussi sa compte. Non, il faut lui laisser. Jusqu'à hier, nous sommes quand même descendus sur le terrain, poser des questions. Ici à Douala, dans tout Douala, poser des questions aux Camerounais par rapport au CHAN qui va démarrer samedi. Beaucoup n'étaient pas au courant et certains estimaient qu'il n'y a pas de banderole, il n'y a pas d'affichage, ils ne savent même pas ce que ça veut dire le CHAN, qui joue. Est-ce que là, ce n'est pas un problème aussi quand même? Le Cameroun est le seul pays qui a 25 millions d'entraîneurs, de sélectionneurs. Hein? Bon. Ils ne sont pas encore arrivés au niveau des équipes. Non, non. C'est pour vous dire que quand bien même il y aurait les banderoles, y compris dans les chambres des uns des autres, il y aura toujours quelqu'un qui va dire quelque chose qui va. Nous faisons des efforts. Moi, je dois vous dire que je vois par exemple la mobilisation de la ville. C'est quand même pas mal. Parce que nous avons des contraintes. Nous avons des contraintes de Covid-19, des contraintes sécuritaires qui nous ont un peu coincé, on était un peu dans une sorte de congélation, mais nous nous réveillons avec des capacités que les autres devinent. D'ailleurs, je vous fais une prédiction, même notre équipe de football, vous verrez, elle va gagner. Bon, donc, nous sommes un pays dans lequel le championnat ne s'est pas joué. Personne mieux que vous ne peut en parler. Nous avons des jeunes quand même qui, malgré le fait qu'il n'y ait pas de championnat, l'interquartier, tout ça fait que notre championnat amateur, notre football amateur n'a pas disparu, exactement, avec tout ce que vous savez autour. Donc, nous venons de loin. Et maintenant, nous renouons avec ce qui est vraiment une de nos marques de fabrique, c'est-à-dire l'amour du football. Oui, c'est vrai, peut-être on n'en a pas parlé assez, mais moi j'ai écouté, contrairement à vous, j'écoute les médias à partir de chez moi quand j'ai un peu de temps, parce que je n'ai pas beaucoup de temps parfois pour regarder la télé, mais les radios, je les écoute. Et
Paul Biya le seul président qui a libéralisé la parole, de sorte qu'on a près de 500 radios à Douala. Quand je circule, parce qu'il n'y a pas d'embouteillage, si, il y a des embouteillages sur la bande FM, j'écoute beaucoup de choses sur le champ. Donc je suis surpris qu'une communicatrice, une médiatrice aussi talentueuse que vous, peut-être parce que vous travaillez beaucoup et vous êtes enfermé chez vous à Estivie, mais je peux vous dire que personne ne peut dire qu'on n'a pas beaucoup communiqué. La CRTV, je m'excuse d'en parler sur votre chaîne, c'est pas votre concurrent, a fait des émissions spéciales dernièrement pour tester le niveau technologique que nous avons maintenant. Nous sommes le seul pays, il n'y a pas un stade qui a la VAR en Afrique. Japoma sera le second. Ouais. Nous sommes le premier stade intelligent. Et puis de là-bas, si vous mettez la main dans la poche de quelqu'un, c'est dans un carrefour, même à Bafoussam, où il y a les caméras, on vous voit dans mon stade. Ce sont des outils de développement de sécurité incroyables que nulle part ailleurs on a. Donc, bon, on va s'améliorer parce que nous avons la CAN derrière. On fera mieux en communication, on aura moins de pression. Merci. Mais à coup de pas, on pourrait peut-être mieux faire. J'allais vous dire que nous sommes environ 5 millions à Douala, 4 millions. Non, 5. Si vous ajoutez, il y a des Camerounais qu'on a rencontrés hier, pas plus tard que hier. Et vous les avez rencontrés où? Jusqu'à Japoma, nous, parce qu'on a fait la pénétrante est hier. Alors, s'il y a quelqu'un qui prend la route pour aller au nord, à l'est, au sud, et qui passe par le pont de la Libamba et qui n'est pas au courant qu'il y a le Chan... Ils ne savent pas ce que c'est que le Chan. Ah. Bon. Ils ne savent pas ce que c'est que le Chan, et je me dis... Mais cette question s'adresse à la Fédération camerounaise de football pour ceux qui en restent. Vous comprenez? On se dit, dans toute l'organisation, peut-être qu'il aurait fallu... On pouvait faire mieux, mais bon, vous avez des priorités. Non, bon. Écoutez, moi je vais demander pardon, 2021, on n'est pas meilleur dans tout, vous comprenez? On fera mieux. Mais maintenant que vous m'avez donné l'occasion, chers amis, faites tout et essayez de voir au moins un match sur les 16 infrastructures qui sont magiques. Voilà. Alors vous êtes fan de foot Vous êtes... Je suis fouteux, parce que fan de foot ça fait un peu gonzesse. Ok, vous êtes fouteux. Ouais. Mieux, vous êtes ancien président du comité des sages de Dynamo. Non, j'ai été président de Dynamo. Président de Dynamo. Président du comité des sages. Voilà. Et je dois dire aussi, j'ai été président de Oris Club de Douala, équipe mythique et historique. Alors, selon vous, notre équipe... Je ne parle pas de ça. D'accord. Hein? Au regard des performances, est-ce que... Ce qu'on a vu là fait un peu peur, ça nous fait bon, trembler un peu. Mais moi, je suis allé au Gabon. Est-ce qu'on va traverser le premier tour? On ne va pas revenir sur, sur la CAN Gabon de... Non, on ne va pas croire Vous ressemblez à tous les autres Camerounais. Quand un sujet ne convient pas à votre posture de critique, vous dites n'en parlons pas. On a été au Gabon. C'était la CAN. Tout le monde avait signé et publié l'acte de décès de l'équipe du Cameroun. Oui. On a gagné et la bonne manière, en éliminant les meilleurs. N'est-ce pas? On a éliminé le Ghana, on a éliminé le Sénégal. Tel est meilleur, le Gabon lui-même. Bon. Ok, notre équipe telle qu'on l'a vue dans quelques essais ici, je parle de l'équipe A', parce qu'il ne faut pas confondre les Lions, avec les Lions qui nous ont donné un bonheur en revenant 29 ans après à Douala, gagné par 4-1. Ils nous ont fait vaincre le sort de Fandena. Bon, donc A', effectivement, nous fait peur. Mais il est un peu représentatif de l'état de l'Africa Foot et du football actuel au Cameroun. Mais est-ce que ce football, nous devons désespérer à 100%? Je ne crois pas, parce que nous avons des pépites et Dieu a fait du Cameroun une nation de football. Vous comprenez? C'est une danse chez nous, c'est un rituel. Tous les garçons ont au moins tapé sur le ballon. Donc, bon, je suis prudent, mais je suis lion indomptable. Donc, je soutiendrai jusqu'à la dernière minute et que le meilleur gagne, mais je souhaite que les lions indomptables gagnent. Est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu blâmer le changement à la tête de cette équipe à quelques semaines? On n'a pas de championnat. Alors, on se dit, hein, avec l'ancien coach, il y avait déjà comme une ossature. Est-ce qu'on ne peut pas blâmer aussi un peu cela? Alors, je ne sais pas si vous faites exprès. Comme j'ai été chargé de coordonner un site et qui est historique, Douala Ependa. Vous m'invitez
la veille d'une décision du TAS qui pourrait tomber demain. Hein? Il ne faut pas que je vienne jouer au marabout ici, ou dire, soutenir des choses, dire, j'ai rien à voir dans tout ça. Moi, je suis là pour que, un, l'organisation soit parfaite pour accueillir nos invités, deux, pour créer la dynamique unitaire de tous les Camerounais pour qu'on aille voir les matchs du SAN. À chaque jour suffit sa peine. Donc, je ne parlerai pas de l'état de l'Afrique Foot, du championnat, de la Ligue et tout ça. Il faut qu'on fasse un effort. Et je pense que si nous gagnons derrière le SAN, nous serons obligés de mettre tout ça derrière nous. Donc, attendez les décisions du TAS. Je parlais des Lions à prime. Non, je suis obligé de vous dire parce que les Lions à prime sont en fait. Ils découlent du championnat. De l'état de notre football, de notre championnat national. Il est très facile quand nous faisons appel à notre légion étrangère, c'est-à-dire les professionnels, et qui gagnent parce qu'ils sont à un niveau tel que bon. Le temps du jeu, comme on dit en sport, ils l'ont dans leur. C'est leur métier. Mais lorsque nous avons des jeunes qui ne peuvent pas jouer parfois et souvent à cause de l'imposture des adultes, de leurs égoïsmes personnels et de ce que certains sont définitivement abonnés à la combine, c'est ça qui pose problème. Mais bon, il ne faut pas désespérer parce que le Cameroun est un très beau pays et Dieu veille sur le Cameroun, y compris sur son football. Alors, le CHAN, c'est également de nombreuses polémiques, comme je disais tout à l'heure. On a eu le feuilleton stade, voie d'accès, voie de contournement, depuis peu des voitures. Est-ce qu'on doit croire en ce qui est dit au sujet du... Qu'est-ce qui est dit? Parce que là, vous me rapportez des propos. Parce que ce qui est dit du point de vue officiel, c'est un peu ce que je vous dis, ce que le professeur Mulekombi dit, ce que le premier ministre Diong Goûté dit, ce que le gouverneur Yva Dibois dit, ce que disent les présidents de commission Abel Calvin Zoké, ce que dit même le président lui-même qui, dans sa dernière adresse à la nation, a demandé à la jeunesse de s'occuper de l'essentiel, de s'unir et d'être concurrente. C'est ça l'objectif du CHAN. Maintenant, si derrière ça, il y a des agendas B, C, D, 3, des partis politiques en plein effondrement électoral ou en panne d'imagination et qui prévoient, sont devenus des églises de sorcellerie ou des églises de réveil, je ne peux pas commenter cela. Ma posture officielle. Vous savez que la polémique, c'est un sport que j'essaie de pratiquer. Très bien, mais c'est pour ça que quand je vous posais la question. Mais quand on me charge d'amener un groupe d'hommes sans opinion politique au-delà de nos partis et tout, et d'aller vers la conquête, c'est comme si je devenais chef des armées. Je suis républicain. Donc je ne commande pas ce qui est partisan et ce qui relève tout simplement du prix Nobel de la mauvaise foi. Donc il ne faut pas croire à ce qui est dit. Non, je n'ai pas dit cela. Il faut croire même à la bêtise parce qu'elle existe, mais il ne faut pas perdre le temps pour commenter cela. D'accord. Alors, le CHAN, c'est également des emplois. Les emplois qui sont créés autour de l'événement. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises ou alors qu'est-ce qui a été fait pour promouvoir les petits métiers camerounais, ce qui est camerounais? Écoutez, j'ai mon excellent jeune frère qui est une de vos fréquentations, un expert en communication, mais qui peut parfois se tromper. Et donc, j'évoque quand il s'est trompé, Charles Mouelemouimé, qui un jour a prononcé une phrase qu'il fuit aujourd'hui, que l'organisation de la CAN ou du CHAN, c'est un luxe. Je lui ai dit que c'était une vision un peu raccourcie de ce que c'est. Comme je vous ai expliqué dans mon mot introductif, la CAN, le CHAN, tous ces grands événements sont seulement des occasions pour implémenter une politique d'aménagement du territoire, de mobilisation des énergies et d'accélération de la croissance et qui crée des emplois. Lorsque les gens sérieux prendront du recul au-delà des polémiques ou de RDPC bashing, ils verront que la construction de stades a distribué du revenu et des centaines de milliers d'emplois, que l'entretien de ces stades va créer des emplois pérennes de longue durée, parce que quand vous avez des infrastructures comme celle-là, vous ne pouvez pas les laisser se dégrader. Il va falloir du sanitaire, il va falloir la pelouse. Je causais avec une jeune fille et on a eu de nouveaux métiers. C'est une jeune fille qui a fait l'aire de jeu, qui est appréciée internationalement maintenant de Douala Bepanda, que ce soit l'annexe et tout. Elle est partie en formation jusqu'en Italie et en Angleterre. Donc,
ce sont des activités qui ne sont pas budgétivores, contrairement à ce que j'entends. C'est de l'investissement et ça modifie le périmètre de ce que nous sommes. En nous agrandissant, ça nous rétrécit pas. Les gens qui vont au champ reçoivent des emplois, ils reçoivent des revenus. Et par une leçon qu'on enseigne à tous les gars qui ont étudié dans les bonnes écoles d'économie en première et deuxième année, c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur de revenus. C'est-à-dire que on va donner 100 000 francs à quelqu'un parce qu'il travaille pour faire ses stades, il va laisser à sa famille 20 000 en épargne, il va dépenser pour entretenir sa famille au quotidien 60 000 en nourriture et tout, et il va distribuer à ses maîtresses, parce que ça fait partie du Cameroun, un peu d'argent, qui elles-mêmes vont acheter les cahiers pour les enfants et tout et tout. Donc on se distribue l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'on a jeté dans l'océan. Évidemment, les gens disent c'est cher, bon, c'est cher par rapport à quoi, à quel mercurial. C'est un peu le même débat que certains ont introduit sur le corona. Ils disaient 30 milliards, c'est beaucoup, mais la vie coûte combien? Même une seule vie coûte 30 milliards, c'est rien. Donc, à l'occasion de ces événements, c'est une décision politique qui est multidirectionnelle et qui a eu de l'incidence sur l'emploi, la croissance et sur le développement du Cameroun. On en verra. Moi, je suis né, j'étais adolescent quand on a conçu le stade de Bépanda, le premier qu'on appelait stade de la réunification. Croyez-moi, on a conçu cela à un endroit où j'allais jouer avec les singes. Et vous demandez aux gens de ma génération, vous diront que j'ai dit vrai. Camtel n'existait pas à cet endroit. Et vous voyez comment ça a modifié. C'est peut-être pas allé aussi vite parce que avec les décennies de croissance, de programmes d'ajustement, mais autour de cet investissement, on est venu implanter à côté le terrain des officiers, on a construit y compris la gare, et donc ça a changé, c'est devenu urbain. Donc, une infrastructure sportive est un investissement économique, social et culturel. Demain, vous pourrez faire des concerts des meilleurs musiciens camerounais, y compris ceux qui nous insultent, et pourront prester devant 40 000 personnes à Bépanda, 50 000 personnes à Chapouma, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous savez combien de voitures le parking de Chapouma peut prendre? Plus de 10 000 voitures. Moi, je peux prendre près de 1 000, 1 200 à Bépanda. C'est quelque chose de fantastique. Le développement a un rythme. Et parfois, ça paraît pas accéléré pour certains, mais c'est irréversible. Paul Biya a laissé cela, c'est un héritage qui appartient à la jeunesse camerounaise et africaine pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Et à nous de magnifier cela en l'entretenant très bien. Donc, c'est quelque chose qui impacte sur le changement de notre statut économique. Est-ce qu'il faut faire un cours pour... Non, mais est-ce que vous êtes au moins convaincu, Oriane? Oui. Merci. Alors, est-ce qu'il y aura un village du Chan où on va découvrir nos mères? Il y aura des fan zones. Le fan zone et le village du Chan, c'est pareil? Non, c'est pas tout à fait pareil. Parce que voilà. Le Cameroun étant un pays de grandes ambitions, beaucoup de gens nous jugent le Chan comme s'ils jugeaient la Cannes. Les cahiers de charges ne sont pas les mêmes. Vous comprenez? D'accord. À la Cannes, vous devez avoir les fan zones qui ont la même particularité, mais vous avez aussi les villages de la Cannes. De la Cannes. Où les gens s'exposent. D'accord. Bon, vous avez vu qu'on a eu le Covid-19 et on a eu toute cette ambiance qui fait que même les règles de distanciation ne nous ont pas permis d'imaginer le village du champ. Parce que ça veut dire qu'on va s'installer dans les bars et des endroits, s'embrasser, même si on le fait par ailleurs dans d'autres lieux. Donc le gouvernement n'a pas choisi que cet événement soit l'occasion pour écorner ce qui est incontournable, c'est-à-dire la lutte contre le coronavirus. Et c'est la raison pour laquelle il y aura trois fan zones ou quatre et un ou deux villages qui sont en animation, qui sont d'ailleurs soutenus par les maires d'arrondissement, hein, Douala 3, Douala 4, même Douala 5. Mais le maire de la ville s'y est bien impliqué et c'est l'occasion pour lui dire merci à tous ceux qui participent et ça améliore notre ville. Donc, Oriane, fan zone. Les fan zones, ce sera. Qu'est-ce qu'il y aura dans les fan zones et, Les fan zones ont un pour but. Ouais. Parce que quelqu'un est venu me dire que je devais mettre
une fan zone, parce qu'une zone, à Camtel, je lui ai dit non. Et bon, maintenant, si on devait interdire qu'il y ait le... Parce que nos matchs sont à guichet fermé. Oui. Mais bon, si je devais recevoir personne dans les stades, oui, peut-être. Mais si je dois recevoir les spectateurs, quel est l'intérêt de mettre à moins de 600 mètres une fan zone? Puisque dans une fan zone, il y a un grand écran, vous êtes assis, vous suivez les matchs et tout. Vous comprenez? Alors, le but aussi est commercial et marketing. Donc, une fan zone, par définition, n'est pas collée, ne doit pas se trouver dans l'environnement de l'infrastructure. Vous comprenez? Mais ça, il faut le dire aux Camerounais, vous qui avez une grande voix. Ils ne le comprennent pas. Moi, j'imagine une fan zone, comme je l'ai encouragé, au kilomètre 14 pour les gens qui viendraient, par exemple, de Yabassi et qui s'arrêtent souvent là-bas. Ou une fan zone, pourquoi pas, à Edea ou dans le Mungo. Bon, on me dira, la distance est telle que, parce que la CAF a quand même aussi ses règles. Mais une fan zone, par définition, elle doit se trouver à un endroit où des personnes ne peuvent pas, pour plusieurs raisons, avoir l'accès facile à l'infrastructure, donc aux compétitions. Mais pour l'instant, les fan zones, ils sont situés où? Alors, vous avez une fan zone qui va être dans l'enceinte du lycée polyvalent, non, lycée polyvalent de Bonnabéry. Donc, je fais un clin d'œil. A formé de très grandes élites, donc quelqu'un suivait mon regard. Donc c'est ce doigt-là, doigt la 4. Dans la 4e. Vous avez au Parcours Vita, une fan zone qui va être magnifiée, c'est doigt la 5e, mon village, et qui marche très bien. Alors il y a une fan zone aussi en Colmbon, à côté de la station Total à Bas-Chinois, qui se trouve là et qui est très bien fait. Et je vous ai dit, il y a des initiatives qui sont prises dans certains endroits qui ne sont pas. Forcément les fanzones, mais qui vont donner de l'animation et montrer ce qui se passe. Alors, puisque la compétition se fait en plein Covid, est-ce que les fanzones aussi auront un nombre restreint? Les fanzones seront soumises aux mêmes règles de distanciation et de respect, masque, gel et tout, que les autres. Et nous verrons absolument. D'ailleurs, les forces de défense et sécurité verront à ce que ce ne soit pas les lieux de débauche ou de violation d'une règle qui fait partie maintenant de notre arsenal de défense nationale, c'est-à-dire la protection contre le Covid-19. D'accord. Alors, les matchs seront joués à guichet fermé. Les joueurs, certainement, logiquement, font des tests. Est-ce qu'il y a un dispositif pour les spectateurs? Je veux dire, pas pour leur faire des tests, hein, si jamais il y a un cas. Bon, d'abord, je dois vous... Il n'y a pas de sécurité zéro, bien hein, 100%. Évidemment. Ouais. Mais je vous donne un cas. Les volontaires qui sont maintenant répartis par commission spécialisée et qui font partie de l'organisation du match, parce que un match de football, ça a au moins 40 personnes officielles, 200 si on prend les ramasseurs de balles et tout ça. Donc, dans toutes ces catégories, nous avons fait faire, par exemple, les tests. Vous comprenez? D'accord. Pour que les personnes qui pourraient être porteuses, même asymptomatiques, du Covid-19, ne puissent pas entrer en contact ni avec les joueurs, ni avec les délégations. Nous l'avons fait. Pour aller de façon télégraphique, s'agissant des spectateurs et des participants, toutes les délégations ne rentrent pas sur notre territoire sans répondre aux tests de contrôle. Ça, c'est gouvernemental, c'est imparable, et la CAF l'a accepté comme tel. Donc, il n'y a pas de sauf-conduite là-dessus. Maintenant, pour ceux qui vont entrer dans nos infrastructures, d'abord, les matchs sont à guichet fermé, au moins 24 heures avant le match. Donc, je dis à tous ceux qui veulent aller à Japoma voir les excellents matchs du dimanche, qu'ils ont intérêt à avoir leur billet le samedi. Et quand vous arrivez assez tôt, parce que quand vous faites le rang pour entrer, là où vous donnez accès à votre billet, vous allez subir un contrôle des températures et vous allez porter votre masque et démontrer que vous l'avez. Et comme certains ne le savent pas, quand vous êtes à l'intérieur de nos infrastructures, et je parle là de chez moi, à Bepana, nous avons 96 caméras qui observent à l'intérieur et à l'extérieur sur plus de 8 km à l'extérieur. Et à l'intérieur, chaque banc est numéroté et nous savons qui est assis où. Si vous enlevez votre masque de façon durable, on va vous rappeler à l'ordre une seule fois. Vous le faites une seconde fois, on vous met hors de nos infrastructures. Donc les règles vont être imparables pour tout le monde et ça va être comme ça. Il y va.
de la crédibilité des décisions de notre gouvernement, qui ne doivent souffrir d'aucune dérogation, et de la crédibilité de la compétition. Parce que comme je vous l'ai dit, le Cameroun va être le seul pays au monde à organiser une compétition de cette échelle pendant cette période. Dieu bénisse le Cameroun. Amen. Alors, lorsqu'on sait, je continue dans le Covid, lorsqu'on sait que la présentation des vœux au couple présidentiel a été reprogrammée, alors dites-nous, comment allez-vous contenir 20 000 ou 40 000 personnes dans ces conditions? Oh, Rianne, c'est pas le même espace. Je sais que le palais de l'unité est grand. C'est l'un des plus grands palais au monde. C'est pas 20 000 personnes qui devaient aller à la présentation. Oui, mais sur quelle surface? Je vous ai dit tout à l'heure que Japoma est sur 58 hectares. Mais Panda est sur 24 hectares. Et nous avons organisé pour que les gens circulent et que, en fait, quand les gens sont assis à l'intérieur du stade, il y ait des distanciations. Un homme, deux sièges, un homme. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des fous, nous ne sommes pas imprudents, nous aimons beaucoup notre pays et nous n'allons pas exposer ni nos invités, ni notre nation. Donc croyez-moi, si on a reporté la manifestation au palais, parce que d'abord on a jugé qu'il y aurait trop de monde, la promiscuité est réduite et que si on devait respecter les règles de distanciation, cela se ferait sur un mois. Avec le corps constitué que nous avons. Ouais. Donc, quand on compare cela de façon plus ou moins vicieuse pour dire que, d'un côté, on paraît sérieux au palais, et que maintenant, quand il s'agit du poula-poula, donc du tout public, on peut se permettre, non, c'est pas vrai. On a pris des règles, et je peux vous dire, nous avons des sollicitations des jeunes qui nous appellent et tout, parce qu'ils nous connaissent, que ce soit à Belle, que moi, voire même le gouverneur. Le gouverneur, c'est un footeur qui joue très bien au football. Et donc, ils nous sollicitent, mais on leur dit, il faut que quelque part, pour nous protéger, que certains en souffrent de ne pas être à l'intérieur. Et c'est pour cela que la retransmission va être d'une qualité unique. Vous verrez les images, comme jamais on a montré des images d'un spectacle au Cameroun, à cause de la technologie qu'il y a actuellement sur ces infrastructures. Pour des raisons de sécurité, je ne vais pas révéler certaines choses. Mais quand vous êtes dans nos stades, vous émettez sur tous les points du monde, en temps réel. Vous comprenez? C'est pour ça que ce sont des lieux de haute sécurité. Vous m'avez compris? Je ne peux pas en dire plus. Ça veut donc dire que ceux qui sont à l'extérieur recevront les matchs avec une qualité qui ne fasse pas trop de complexe. Mais bon, nous, le football, c'est sans même que c'est nous. Il faut qu'on voit à côté. On va être dans le stade. Vous comprenez? Bon. Mais bon, que la fête commence. Alors, le chant se jouera à Yaoundé, à Douala et à Limbé. Limbé-Boya. Bon. Vous êtes dans le comité d'organisation. Oui. Puisque vous êtes là. Oui. Dites-nous de façon globale, est-ce que les deux autres villes, les trois autres villes, c'est-à-dire Yaoundé, Limbé-Boya, est-ce que tout va bien aussi là? Oui. Je peux vous le dire parce que mon excellent ami També, c'est lui le coordonnateur de Limbé-Boya. Et je peux vous le dire parce que c'est aussi un excellent ami à moi, Ernest Nkou, à Tangana, qui est le coordonnateur de Yaoundé Fandena. Nous aurons les matchs de même niveau. Nous, à Douala, nous disons nous avons 50% du championnat. Oui. Et nous aurions souhaité au moins que le Cameroun commence dans une poule à Douala. Et qu'à la limite, que la finale aille à Yaoundé. Bon, le privilège du pouvoir et des gens de Yaoundé fait que nous en sommes un peu frustrés. Mais le niveau de préparation et la qualité des équipes... Vous savez, quand il y a la finale au niveau continental d'un sport, il n'y a pas de petits sportifs. C'est le dernier que vous n'avez sous-estimé qui vous met un zolo. Et là, le zolo devient mortel. Vous comprenez? D'accord. Donc, non, les autres sites sont prêtes et sont à un niveau de préparation d'une très haute exigence. Limbé-Boya, c'est magnifique, c'est quelque chose, le climat, l'accueil et tout font que nous voulons montrer à la fois à la jeunesse camerounaise et à nos amis, à nos invités, que nous sommes un et indivisibles et qu'il fait bon vivre partout au Cameroun. On aurait voulu que le championnat aille jusqu'en Garoua, Bafoussam, mais à ce moment-là, il faut faire jouer 36 équipes.
Mais la CAN ira jusque là-bas, je peux vous dire, puisque Olemberg a pris, mais bon, il ne sera pas utilisé. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la ville de Limbé. On le sait, c'est dans la région du Sud-Ouest, une région quand même secouée par la crise sociopolitique. Qu'est-ce qui a été fait pour assurer tout le monde que tout se passera dans de bonnes conditions? Alors, là, je vais reprendre ma casquette qui ne plaît pas à certains, mais que j'assume. Le premier élément d'assurance, c'est qu'il y aura la sécurité. Et le gouvernement l'a communiqué hier, le ministre de la Communication, René Manès, a sorti un communiqué. Et c'est la volonté du gouvernement. Toutes les manifestations, et particulièrement dans ces zones, auront lieu dans les conditions de sécurité absolues. Et nous disons aux Camerounais, n'ayez pas peur. Pour ceux qui peuvent avoir les billets, allez à la fête pour montrer que la vie prend le dessus sur le terrorisme, le banditisme et la mort. Voilà un peu, je fais un côté un peu pasteur, mais voilà un peu la posture qui est officielle. Et ça sera comme ça, ça se passe très bien, et nous allons vaincre tous les entrepreneurs du chaos et du désordre. Mais selon certaines informations, il y a des camions qui ont explosé à Middle Farm aujourd'hui. Est-ce que ça ne va pas un peu aussi jeter un peu du froid? Écoutez, ce sont les tribulations, les dernières de quelqu'un qui a perdu. C'est-à-dire que ceux qui ont entrepris de prendre des armes contre notre nation et de violer notre territoire, comme ils ne peuvent plus tenir sur cette posture, ils se réduisent maintenant à faire dans la lâcheté ce genre d'histoire. Donc c'est quelque chose qui ne nous impressionne pas. Mais vous savez, vous avez vu les images de Washington, non? Bon. C'est lui qui disait que l'Afrique était des pays de merde. Lui s'est trouvé où? C'est le seul pays où on vient, on boxe tout le monde, on va enlever les députés, les sénateurs et tout le monde. Donc, nous sommes dans un monde qui est dangereux, mais où des îlots de paix comme le Cameroun deviennent rares. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas être impressionné parce qu'il y a des tueurs d'enfants, il y a ceci. Ce qui compte, c'est de faire confiance à nos forces de défense sécurité qui nous permettent d'avoir une résilience éternelle. Le Cameroun est éternel et il ne disparaîtra jamais devant les entreprises de ce genre. C'est une question de temps, il faut faire confiance à nos forces de défense et sécurité. Et je peux vous dire que ça se passera bien. Et ça va se passer, ils auront honte. Vous avez des gens ici en pleine ville qui, eux, entre guillemets, ne prennent aucune arme. Et il est vrai que je trouve que certaines émissions de radio sont aussi, sinon plus dangereuses que ceux qui tuent les enfants dans les écoles, et qui passent leur temps à saboter ce qui se passe ici. Parce qu'ils pensent que ça va être le succès de Paul Biya, du RDPC, des militants du RDPC. Je pense qu'il faut vraiment ne pas céder devant cette posture méprisable et qui est contraire, qui est antipatriotique. Nous devons être ensemble, et nous serons ensemble, et nous allons surmonter cette période. Et c'est un moyen de mettre derrière nous définitivement ceux qui sont entrés dans l'obscurantisme du terrorisme. Comment mettre cela derrière nous quand depuis quelques jours il y a comme une montée, une recrudescence de ces Il y a des périodes comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez une montée de température que vous êtes forcément malade. Vous devez prendre le médicament adéquat pour surmonter ce moment et récupérer toutes vos capacités de vie pour prendre le dessus. La vie est en lutte contre la mort. Quel est le médicament adéquat chez vous, on voit en ce moment? Le courage, la vérité, la volonté et l'amour de son pays. Vous comprenez? Tout ce qui possède par la lâcheté ou qui cède en payant des taxes aux bandes terroristes, aux criminels, aux bandits, ils financent le terrorisme et le banditisme. Il faut faire face. Et en faisant face ensemble, nous vaincrons. Il n'y a pas dans l'histoire un seul exemple où les bandits ont vaincu une nation unie. Ça n'existe pas. Depuis la Rome antique, en passant par Périclès, la Grèce, c'est impossible. Donc, vous me demandez, le médicament, c'est de considérer cela pour ce que c'est et de ne pas écouter les aboyeurs qui disent « oui, c'est politique, ils veulent justifier ce qui est injustifiable ». Bon, bref, revenons à notre entretien qui est sur la vie, la fête. Mais quand vous voulez, on pourra en parler. Donc, nous autres qui n'avons pas peur, disons, n'ayez pas peur, investissez-vous dans l'avenir. Et puis,
tenez votre pays, c'est un pays que Dieu vous a donné et que nous avons un héritage, nous devons le laisser à nos enfants. Et personne ne pourra me chercher de chez moi. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est comme ça qu'on emporte sur la peur, la lâcheté et le banditisme. D'accord, nous sommes dans la suite de l'entretien. Là, maintenant, on parle politique. Wow. Normalement, non, on est dans la crise sociopolitique. C'est un jeudi magnifique. Alors, puisqu'on est déjà là-dedans, dites-nous, les présidents quand même de régions, je vais dire, les régionales ont eu le 6 décembre dernier. Le sud du littoral a prêté serment tout à l'heure, à midi. Voilà. J'ai dit d'ailleurs, félicitations pour les caps, que Dieu t'assiste dans ta mission. Voilà. Alors, dites-nous déjà, qu'est-ce qui va changer avec... Madame. Concrètement. Madame. Oui. Les élections régionales et surtout les prestations de serment des uns des autres et les installations qui auront définitivement lieu le 22 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine, c'est le point d'achèvement d'un marathon électoral qui a commencé en octobre 2018. Le président Paul Biya a proposé un projet de société au peuple souverain camerounais et dans lequel se trouvait la décentralisation. Je ne vais pas faire un cours sur la décentralisation. Non, l'objectif de la décentralisation, c'est d'avoir une nouvelle gouvernance qui réduise les distances entre les administrateurs et les administrés et qui donne le sentiment de réappropriation de son destin à chaque Camerounais. Donc, c'est un renforcement du sentiment d'appartenance. Vous comprenez? Vous êtes chez vous, vous connaissez celui qui n'a pas encore construit ou qui empêche de construire votre école primaire et vous, ça, il sait que vous serez libre de ne pas voter pour lui. C'est une nouvelle gouvernance. Et ça a des conséquences. Les nouvelles collectivités territoriales vont créer des emplois, booster l'économie, et si les autres arrêtent de faire le désordre, créer une nouvelle valeur et créer une nouvelle citoyenneté. Vous comprenez? C'est une mission historique que ceux qui ont eu la chance d'avoir là maintenant devraient avoir peur, parce qu'ils vont écrire l'histoire. Et ça, c'est la volonté du peuple camerounais à travers les 72% de voix qui ont plébiscité le projet de Paul Biya. Alors, tous ceux qui viennent maintenant faire un commentaire, d'abord, un, nous ne sommes pas là pour appliquer leur programme qui a été rejeté par les Camerounais. Nous appliquons d'abord le programme du président Paul Biya. Et deuxièmement, c'est vrai, nous sommes ensemble, on n'est pas parfait, ils peuvent participer à cela. Donc, c'est une nouvelle gouvernance, c'est une nouvelle ère. Et c'est le point d'aboutissement de la nouvelle construction démocratique du Cameroun, avec des institutions. Certains amis m'ont dit, ouais, mais ça va coûter cher. C'est cher par rapport à quoi? Quelque chose est budgétivore, que s'il est inutile et nuisible, mais si quelque chose vous procure la paix, la confiance et renforcer le sentiment d'appartenance, mais le prix est supérieur que si vous avez une Mercedes, une Rolls-Royce. Vous comprenez? Et ça va enlever l'argument à certains de nos compatriotes qui, pour les événements dans le nord-ouest et le sud-ouest, disaient parce que ouais, l'administration, il y a l'arrogance, c'est trop loin, il y a on dit attends. Bon, ben, l'administration va être là à côté de votre clôture, mais démontrer maintenant que vous vous amusez mieux et que ça a changé votre perception. Donc, madame, c'est historique, c'est un très grand événement. Et vous et moi, nous écrions, pour ceux qui savent écrire, à nos descendants, que nous avons été contemporains de ce moment d'évolution. Et c'est moderne, c'est très moderne, parce que l'administration a des hommes de talent et des hommes et des femmes de talent. Mais parfois, il y a des gens qui, au nom du fait qu'ils ne représentent que l'administration, sont arrogants et parfois ne savent pas qu'ils sont que délégués à des fonctions que seul le peuple est le grand mandataire. Donc, moi, je crois que c'est une très grande révolution et nous devons tous faire en sorte qu'elle réussisse. Donc, ceux qui n'ont pas participé aux élections, et qui viennent maintenant, bon, ils gèrent le ministère du commentaire et du bavardage, donc c'est pas grave. Là, ils n'ont pas besoin d'un décret à 17 heures. Dites-nous, les gouverneurs et les préfets. Pourquoi cela vous amuse? Nous sommes dans l'entretien. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que la polémique... C'est pas la polémique. Vous êtes bien là-dedans. J'ai dit les choses comme je sens. Le ministère du Congo, ça, il n'existe pas, Emmanuel Combe. Le ministère du Congo, ça existe à Douala. Et je connais l'adresse. Pas dans le gouvernement. Ah, ils ont c'est pas officiel. Ils ont un gouvernement artificiel et qui marche. D'accord. Allez dans les quartiers, c'est un quartier que je ne veux pas citer, des zones de où on met tout. On raconte tout là-bas et de n'importe quoi qui est trop éloigné de la réalité. Et parfois, ils arrivent à culpabiliser les Camerounais, à leur donner le sentiment de se détester eux-mêmes. C'est pas bon.
quand je dis ministère du Congo, ça c'est tout ce qui est périphérique, qui rentre dans les réseaux sociaux, qui insultent, qui font ceci. Et eux-mêmes, ils doivent apporter la preuve au moins qu'ils ont fait quelque chose. Non. Il y a un type qui m'a demandé où j'habitais tout à l'heure. J'ai dit, je vous excuse, parce que comme vous n'êtes pas à Douala, vous ne connaissez pas l'immeuble où je dors. Mais vous habitez où? Il a été incapable de me dire. Vous voyez un peu le non-sens des proportions qui fait que tout le monde se croit égal de l'autre. C'est faux. Nous sommes des égaux en tant que citoyens, mais chacun est au niveau de son effort et du travail qu'il fait pour construire ce pays. Et lorsque vous avez donc des gens qui passent leur temps à insulter même ceux qui bâtissent, ceux qui construisent, c'est que je dis qu'ils ne s'aiment pas, ils ne veulent pas aimer les autres, et ils détruisent le vivre ensemble. Et ce n'est pas acceptable. D'accord. Alors, dans cette décentralisation, gouverneur, préfet, comment va se passer la cohabitation? Est-ce qu'il y aura l'un sera le patron de l'autre? Est-ce qu'il n'y aura pas chevauchement? Pourquoi est-ce que dans cette vie, on conçoit toutes les choses de patron, de soumis? J'ai vu que même dans certains mariages, il y a des hommes qui continuent à se comporter comme s'ils étaient les chefs de famille. Les tuteurs. Non, mais comme s'ils étaient les tuteurs de leur femme. La ça veut dire même des religions de où les femmes sont reléguées au même niveau que les meubles. Mais non. Moi, je n'ai pas été élevé comme ça. Et celle qui m'a élevé, malheureusement, bon, on n'est pas dans le même camp politique, mais j'ai appris des valeurs. Nous sommes des égaux. Bon, les institutions de la République ne fonctionnent pas sur le modèle patron, ceci. Ce sont des institutions démocratiquement mises en place. Il faut savoir seulement si elles sont légales, c'est-à-dire constitutionnelles. Et quand elles sont constitutionnelles, elles ont des mécanismes d'articulation, de fonctionnement qui font qu'elles doivent aller vers le même but. La sécurité nationale, la construction du développement, l'amélioration du cadre de vie et l'unité nationale, le vivre ensemble. Vous comprenez? Donc on n'a pas conçu ça pour mettre des sous-chefs, des caporaux, des généraux. Donc si on vous parle, le président du conseil a une mission constitutionnelle que lui confère la constitution et les lois, et il est dans son rapport avec le gouverneur qui lui-même est le représentant de l'État, de l'administration du chef de l'État, dans le cadre des lois de la République. Ils doivent donc fonctionner ensemble. Le fait que le gouverneur soit un recours pour juger de la légalité d'une décision du conseil régional ne fait pas de lui le gestionnaire du conseil régional. Il est seulement gardien de la légalité qui elle est républicaine. Vous comprenez? Quand on a dit cela, à tous les échelles, que ce soit les sous-préfets et les maires, que ce soit les préfets et les maires, il ne devait avoir aucun problème. C'est lorsqu'on introduit des comportements individuels, quel que soit le camp dans lequel on se trouve, des égos personnels qui sont parfois fondés sur la vanité et l'imposture, qu'on débouche sur des situations à la Fumban, où, par exemple, une personne ne respecte ni l'histoire culturelle de cette zone, ni l'organisation sociale, et se croit parce que, ayant le masque d'une position temporaire, d'attaquer l'intemporel. Vous voyez comment les humains sont. Donc, il n'y a pas. La décentralisation ne crée aucun problème. Moi, j'ai des conversations avec mon jeune frère Paul Eric King tout le temps, et on en rigole parce que c'est un garçon intelligent, même si parfois c'est un grand communicateur. Je lui ai posé la question une fois, j'ai dit, bon, ok, la décentralisation te donne un titre foncier sur le vent, le bon vent qui passe sur Ndiombe Pendia. Il m'a dit non. J'ai dit, bon, si tu as la pouzlane, n'en faisons pas l'objet de l'éclatement de la République. Donc la décentralisation ne coupe pas la République en saucisson, ça n'éclate pas l'unité de la République, mais ça organise sa mise en gestation autrement. Et Paul Eric, je suis fier et heureux de savoir qu'il a été élu vice-président des villes et communes du Cameroun. Ville et Cameroun. Ouais, c'est l'unité du pays. Quand je vois ce genre de cohabitation avec Augustin Tamba et tout ça, je dis c'est ça le Cameroun. Pour le bien de la population. Pour le bien du peuple. Et vous savez que le peuple est souverain. D'accord. Alors, pour revenir un peu à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est régional, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le parachèvement de cette décentralisation-là. Oui, non, de la nouvelle architecture institutionnelle, alors, politique du pays. On s'est dit à un moment que cette décentralisation apporterait une accalmie dans ces régions-là. Mais attendez, ça commence à marcher. Donc, pourquoi vous êtes pressé? Vous êtes en train de me faire un procès préventif comme certains Camerounais le font. Quelque chose qui n'a pas encore eu lieu est qualifié, jugé, mis dans les armoires. D'accord?
La décentralisation, ce n'est pas sésame, mais c'est une des réflexions sur lesquelles le président a pensé, comme ça a été d'ailleurs une réclamation des populations, tout parti confondu, de cette zone. Parce qu'ils ont une culture anglophone et tout ça, et ils pensaient que l'État moins centralisé est mieux. Bon, on leur a dit qu'on irait pour le fédéralisme, ce serait un rétro-pédalage, rien inacceptable. Mais la décentralisation est dans le projet de Paul Biya. Ok. Donc quand on a dit cela, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, ils doivent s'approprier de cette nouvelle donne et réparer ce qui leur paraissait n'est pas bien marché et s'administrer de cette nouvelle façon. Et on leur a même donné ce que j'aurais souhaité, hein, que ça soit étendu au reste du pays, le médiateur de la République, ce qu'on appelle le conciliateur. D'accord ? Ça existe au Canada, l'ombudsman, partout. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a un conflit entre l'administration et l'administré, au lieu d'entrer dans le contentieux, on va trouver quelqu'un qui va un peu éclairer les uns les autres. La décentralisation, son succès comme son échec, qui peut être dans certains endroits, sera ce que les Camerounais en feront. D'accord ? Mais le président a montré la voie. Il a mis les fondations. Aujourd'hui, les Camerounais doivent s'en approprier et faire en sorte qu'elles soient plutôt vertueuses et dynamiques, qu'elles nous permettent de dépasser l'échelle et de rendre le Cameroun, le Camerounais plus participatif dans son développement. C'est-à-dire qu'à l'unité où se trouve, qu'ils se sentent responsables du mouvement et qui n'est qu'un maillon. Vous comprenez? Et donc c'est ça. Ça c'est le travail des leaders, des médias, des troupes. Vous comprenez? Le président ne va pas mettre les menottes au Cameroun en disant marché, c'est la décentralisation. Donc chacun des maires, quel que soit son bord politique, doit maintenant se dire qu'est-ce que je fais dans le cadre de la loi pour faire de cette décentralisation un élément de progrès social. Vous comprenez? La messe est dite. Nous, on espère vraiment la fin des violences parce que, à un moment, ça, c'est une autre chose, Oriane. Ne faisons pas preuve de naïveté ce soir. Non, à un moment, on se dit. Les violences, c'est la nature des gens. Et moi, je suis de ceux qui disent. Il faut éduquer, mais il faut punir aussi. D'accord. Il faut combattre les violences. Parce que l'économie de guerre que certains veulent instituer, si vous et moi, parce que nous sommes non-violents, nous baissons la garde, nous allons la stimuler. Il faut combattre cette économie de guerre. Au nom de quoi une bande d'armée va toucher une taxe dans une école, tue les enfants et laisse la personne qui ne leur a pas payé la taxe. Vous comprenez ça? Au nom de quoi on va mettre sur le même pied d'égalité ceux qui ont pris les armes contre la République avec l'armée républicaine qui protège le peuple souffrant? Donc j'entends le discours va dans le tchoukou-tchoukou de partout, dans tous les sens, mais il faut qu'on revienne à l'essentiel. Le plus grand pacifiste du monde ne peut survivre dans un environnement agressif que s'il est protégé par un pouvoir fort. Comprenez. C'est parce que certains ont demandé, à un moment donné, à l'Europe de baisser les bras que le nazisme a failli l'emporter. C'est parce que certains ont demandé à un moment à l'Occident de baisser la garde que le communisme soviétique, parce qu'il y a du bon et du mauvais communisme, a failli l'emporter. Donc, nous on dit, dialogue oui, mais dans le cadre de la loi de la République. Il n'y a pas de dialogue dans la transgression permanente de la loi et de vivre ensemble. Sinon, on rentre dans un monde où les loups vont manger les agneaux. Je ne veux pas être du côté des agneaux dans ces conditions. Et je n'ai pas envie de me transformer en loup. Donc, mon protecteur, c'est la loi, c'est la République. Mais puisque nombreux disent que dialogue en se référant au grand dialogue national, ce n'était pas. Mais c'était un début. Arrêtez, ne participez pas à cette chorale, les choristes qui vont croire que nous on est bêtes. Oui, nous avons un moment souhaité le dialogue national pour nouer les liens et ne pas laisser le pont se rompre. Je peux. Ne pas laisser le pont se rompre. Et ceux qui ne veulent pas du dialogue national, ce sont ceux qui sont contre, définitivement, contre. Qu'on se parle, vous comprenez? Donc, le dialogue, ce n'est ni une faiblesse, et ce n'est pas la victoire contre un camp, c'est qu'on se parle pour savoir où se trouve même le problème. Et j'ai participé
à un niveau de ce dialogue national. Donc ça a rapproché les camps. Les gens ne savent pas, certains croient que ça a été, que c'était inutile. Non, ça a changé les mentalités. Parce qu'on s'est parlé. Et personne ne peut dire qu'il ne sait pas parler avec l'autre. Moi, j'ai des photos avec des anciens ambazoniens et qui sont dans les DDR pour certains maintenant, qui sont venus à ce dialogue national. C'est ce Cameroun qu'on veut à un moment arrêter. Mais cela n'enlève pas les responsabilités, madame. Si vous avez tué mon fils et vous ne l'avez pas tué avec une raison politique, vous avez tué mon fils, même si on décrète l'armistice, madame, chaque fois que vous croiserez mon visage, vous croisez le visage de quelqu'un qui a été victime de votre comportement. Et ça, c'est un jugement qu'on ne peut pas enlever. Donc arrêtons les hypocrisies en faisant croire que quand on va dire, bon, tout le monde va au paradis, tout le monde va devenir saint. Ben attendez un peu, c'est pas possible. La vérité est que c'est pas possible. Même pour rien, il y en a qui vont tuer. Et l'État doit les arrêter. Il doit les arrêter. Vous comprenez? Il va les arrêter. Les coupables doivent être punis. Alors, les familles qui ont été blessées, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là pour qu'elles oublient? Pour qu'elles oublient, il faut des programmes. Hein. C'est pas facile de se mettre comme ça, de dire à quelqu'un, on vous a tué un être qui vous est cher, oubliez. Moi, je ne fais pas partie des démagogues qui vous font croire que c'est possible. Mais pour nous qui sommes, par exemple, chrétiens ou musulmans ou trucs, nous savons que c'est dans la compassion et la réconciliation que nous devons nous élever, parce que quand vous restez dans la haine, la rancune, la vengeance, vous devenez prisonnier de quelque chose. Donc mais bon, c'est pour ça qu'il y a eu des programmes, des DDR et tout ça. Il faut aussi des programmes psycho-culturels, économiques, des familles qui ont été touchées. Vous connaissez quelqu'un qui vous a détruit votre maison et vous connaissez, on vous dit laissez tomber, il circule. Il ne vous dit pas pourquoi il a détruit votre maison. Il a brûlé votre maison. Hein? Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et tous ceux qui peuvent s'aventurer aujourd'hui à vous dire qu'il n'y a qu'à faire ceci. Bon, vous savez, la tribu des démagogues est très peuplée, elle se développe tous les jours. Donc moi, il faut avoir l'humilité pour dire que c'est une période qui va être, que nous devons affronter ensemble pour réparer les blessures que certains ont peu gratuitement posées. Mais bon, on doit le faire dans le cadre de la République. Personnellement, je ne suis pas pour la peine de mort, mais bon, si vous prenez quelqu'un en flagrant délit en train d'assassiner les populations civiles et qu'il meurt, c'est un accident de travail pour lui. Mais chacun doit assumer les conséquences de ses libertés. Et je peux vous assurer que ce qui se passe dans certaines zones et pour certaines familles, c'est quelque chose de terrible. Et j'ai un ami qui m'a dit, ce qui est grave, c'est que je connais par exemple quelqu'un qui a assassiné mon cousin. Je connais son nom et tout. Et vous voyez, si la force de la République ne passe pas pour donner réparation. Il peut avoir envie de venger. Vous avez compris. Vous avez compris. Donc, c'est pas une chose sérieuse. C'est là qu'il y a tout le rôle des églises, des chefferies traditionnelles, des clans, parce que parfois les gens se connaissent. Excusez-moi, d'autres ont peur de le dire. Moi, je considère que la dame qui a l'école à Kumba, on a tué ses innocents enfants, connaissait les assassins. Parce qu'elle payait l'impôt bien à quelqu'un. Vous ne payez pas l'impôt de façon aérienne. Et s'ils sont venus, c'est parce qu'ils touchaient. Donc ça veut dire que certains se connaissent. Pourquoi ils nous font subir donc la souffrance de ces mauvaises relations, mauvaises fréquentations? Et je ne parle pas d'autres. Hein. Qui les rencontrent, ils ressortent librement. Et vous dites, la meilleure façon de parler avec eux, c'est de déposer l'arme, que l'armée dépose des armes devant des gens qui sont que des terroristes. Je m'excuse, même si vous êtes en soutane, je ne peux pas vous suivre dans une telle posture. L'actualité a également été marquée ces jours par les élections américaines. Deuxième procédure de destitution de Donald Trump. Bonne nouvelle. Quel commentaire? Ben, c'est pas le jour comme le chien qu'on attrape la rage. Donald Trump a eu une administration fondée sur l'arrogance, le mépris surtout de l'Afrique, qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Bon, nous, dans certains de nos cercles, nous savions que c'est tout simplement les manifestations de son ignorance globale. Ce n'est pas un homme qui a une grande culture. Mais ça a eu des conséquences.
Il a méprisé tout le monde jusqu'à des partenaires traditionnels de l'Amérique. Et on découvre qu'en réalité, il méprise aussi la démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a de démocratie comme certains Camerounais le font ici, que lorsqu'ils gagnent les élections, que les élections sont claires et transparentes. Lorsqu'ils ont perdu les élections, ils en ont même la conviction et ils disent que ce n'était pas les élections. Je suis de ceux qui acceptent de respecter les conséquences de la démocratie. C'est la raison pour laquelle, dans mon parti, où j'ai un peu d'espace pour parler, j'ai même beaucoup d'espace, je suis de ceux qui disent que si nous avons gagné une élection, le premier point et le plus important, c'est d'appliquer notre programme parce que c'est ce programme que le peuple a plébiscité. Si vous allez faire le programme de vos adversaires, d'abord vous n'allez pas bien le faire, vous allez faire de la copie. Et à ce moment, ça ne marche pas. Pour revenir donc à ce qui se passe aux États-Unis, c'est une fin tumultueuse, méprisable, et qui ne vont pas faire entrer dans l'histoire, assis qui vont le faire entrer dans l'histoire, comme un mauvais président. Et quand je pense qu'il avait... les donneurs de leçons sont souvent ceux qui sont arrosés. Moi, j'ai vécu 38 ans en Europe avec des gens, donc plusieurs de ma génération, et même celles après moi, comme c'est le cas actuellement en France, sont devenus chefs de l'État. Et je leur dis toujours, pour ceux dont j'ai l'occasion de rencontrer, et qui se trouvent parfois même à des positions de pouvoir importantes, n'ayez aucun mépris pour l'Afrique. Vous me connaissez, j'ai aucun complexe intellectuel ni économique avec vous. Et en Afrique, nous avons des générations qui ont atteint ce niveau, qui ne sont plus complexées. Il faut que vous nous respectiez. Et quand quelqu'un ne respecte pas les autres peuples, eh bien, il finit par ne pas respecter son propre peuple et lui-même. Vous voyez la manière dont il a traité tous les événements qui ont touché la minorité noire et même latino, l'affaire Floyd, hein, les Black Matter, hein, les Black Lives Matter. Voilà. Eh bien, c'est retourné sur lui. La vérité a repris le dessus. Parce que tel que ça partait, on rentrait dans une espèce de désintégration du peuple américain et d'une nation qui est pourtant exemplaire, c'est-à-dire que la nation américaine a quelque chose, au moins qu'on ne peut pas le refuser, elle a été anticolonialiste, vis-à-vis même de ceux qui, d'abord son indépendance est fondée sur le fait qu'elle a chassé des Anglais. Et donc elle a été du côté du peuple algérien quand l'Algérie était en guerre contre ses Anglais. Elle est anticolonialiste. Et lorsque, par les mauvais côtés aussi de la démocratie, vous tombez sur un dirigeant... qui était tout sauf un homme apaisé, prenant du recul, il dénature la perception même d'une très grande nation comme les États-Unis. Alors, tout ce que je peux dire aux autres en tant que commentateur sur ce point, c'est qu'il ne faut pas confondre les États-Unis et Donald Trump. C'est comme je disais toujours aux Camerounais qui avaient créé même un média, au lieu d'être contre Sarkozy, ils voulaient être contre la France et les Français. La France a une très grande histoire. Et le peuple français est un peuple révolutionnaire. Donc, quand vous arrivez devant une telle situation, prions pour que l'avènement de Joe Biden ramène l'Amérique dans son rôle, et un rôle qui soit profitable pour la paix internationale, l'équilibre et le respect de tous les peuples. Vous comprenez? Okay. Vous avez des causes qui relèvent plus l'arrogance. Et il a fait du... Il allait dans tous les sens. Bon, on ne va pas le commenter. Je pense que les bons cours d'histoire des géopolitiques, des stratégies ne retiendront pas cet acteur. Mais c'est une leçon des choses. L'arrogance n'a pas de place dans la politique. Parce que quand vous fondez une politique sur l'arrogance, vous confondez la puissance des États-Unis et votre propre puissance, vous finirez comme un rat. C'est quand même la... Vous ne trouvez pas curieux qu'un homme finisse son mandat en étant dans une procédure d'impeachment. D'impeachment, deuxième impeachment incroyable, dans l'histoire des États-Unis. Et également cette date qui pourrait être historique, cette journée-là où les pro-Trump ont investi, je dis ce 6 janvier où les pro-Trump ont investi le Capitole. Dans l'histoire des États-Unis, il n'y a que 4 présidents qui ont été dans la situation, ils n'ont pas été passés le pouvoir. Donc, 2 sont parents, parce qu'il s'agissait d'un père Adams et son fils, Jefferson Adams. Et pour des raisons simples. Les 2 autres, c'était des histoires beaucoup plus compliquées. Nixon a eu l'impeachment. Et c'est terrible ce qui arrive. 2 fois quand même. Oui, non. Quand on vous prend 2 fois,
C'est pour dire qu'on a été indulgent la première fois. Vous comprenez? Parce que les deux fois, ce sont des actes du banditisme politique. La première fois, vous faites pression sur un État étranger pour inculper un de vos compatriotes, c'est même votre adversaire politique, et qui de surcroît était votre prédécesseur. Hein? C'est le même qui a dit que Barack Obama n'était pas américain, qu'il est quoi, quoi, quoi. Bon, la deuxième fois, vous organisez une bande de bandits, de soudards, de fous furieux, pour aller casser le Capitole, c'est-à-dire le temple de la démocratie. Ouais. C'est incroyable. Vous comprenez? Et sans compter le fait qu'il était l'ami des Russes, pour leur dire, si vous pouvez trafiquer ça, on fait comme ça. Il est, on retiendra de lui, oui, qu'il a été le seul président qui a embrassé Kim Jong-un, le président de Corée, sur la bouche. Et qu'il est le seul président américain qui a mis pied en Corée du Nord, qui n'est pas le modèle de démocratie. Moi, si j'étais avec l'influence dans les affaires, je dirais qu'on lui donne la nationalité nord-coréenne. J'ai envie de dire, vous avez bu du petit lait quand vous avez regardé ça. Ah, vous savez, moi, je suis très prudent en politique parce que je parle toujours du fait que quand j'entends les Camerounais ici, il y a un coup d'État quelque part au Mali, ils disent « le Mali parle au Cameroun ». J'ai dit, mais ces gars, ils n'ont jamais voyagé. Et quand il y a des exemples comme ça, il y en a qui ne prennent même pas sur eux du recul pour dire qu'est-ce que ça nous dit. Ça nous dit que tous les pays du monde sont dans une construction qui peut devenir fragile de la démocratie. Et ça peut passer d'une seconde à l'autre. Imaginez s'il n'y avait pas eu le courage de ce policier noir qui a trompé les manifestants, qui ne sont pas arrivés dans l'hémicycle. On a eu le temps de protéger les parlementaires. Imaginez l'hécatombe et ce que ça ferait. La démocratie américaine, la bannière étoilée américaine serait violée pour au moins un siècle. Vous comprenez? Donc la démocratie est une construction permanente. Elle n'est pas parfaite. On est en construction. Et faisons-le dans la paix, pas en prenant les armes. Celui qui souhaite la guerre civile dans un pays est un fou ou il n'a jamais entendu le bruit d'un coup de feu. Bon, moi, quand j'étais dans une école militaire, on m'a dit, quand tu entends une détonation d'une arme, c'est que tu n'es pas mort. Vous comprenez? Oui. Mais ils ne suivent même pas les films. Ils ne suivent même pas les grands films Dien Bien Phu, Apocalypse Now. Ça devait leur enseigner sur les souffrances que l'utilisation de la violence et des armes dans la vie peut créer pour les populations. C'est applicable dans le nord et le sud-est. C'est du même tonneau. Les gens qui pensent qu'en prenant les armes, ils vont impressionner les désarmés. Vous comprenez? C'est pour ça que je suis définitivement, irréversiblement, contre la violence dans la vie publique. Je peux vous dire, vous avez invité la semaine dernière, je crois, ou il y a une semaine, mon jeune frère et excellent ami, Abel Elimilobe. Bon, quel que soit ce qui s'est passé dans son agression, même si ce n'était que des bandits qui étaient en plein tourisme criminel, c'est inacceptable. Vous comprenez? Et imaginez donc s'il y avait un lien avec un groupe politique qui règle compte à ses adversaires. Ça veut dire que vous et moi, vous pour les raisons professionnelles, moi pour les raisons de mon engagement politique, on serait plus en sécurité. On n'est plus en sécurité. Vous comprenez? Il y a des quartiers où, parce que vous êtes RDPC, vous n'avez pas le droit de circuler, alors qu'on n'est plus dans le régime de laisser-passer. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est le même tenant. Je ne l'accepte pas chez moi, je ne l'accepte nulle part ailleurs, et je pense que, vraiment, le fait d'appeler les gens pour contester une élection, c'est une honte pour Donald Trump. Et c'est la même chose que cet homme fait ici. Ils appelaient les gens à marcher pour contester une élection transparente de Paul Biya, et ils n'ont pas réussi. Là-bas, ils ont failli réussir. C'est la même mentalité, et ce ne sont pas les démocrates. Pour sortir, est-ce que, selon vous, cette procédure peut aboutir en fonction des délais? Celle de Donald Trump? Oui. Oh, vous savez, la peine dans la vie publique, ce n'est pas l'aboutissement de la sanction. C'est le fait qu'on en parle. L'histoire a déjà condamné Trump. Vous comprenez? Il y a beaucoup parmi nous ici qui sont déjà condamnés par leur comportement. Qu'ils aillent au tribunal à Bonadio ou pas, on sait qu'ils ont fait ça. Et ils sont déjà condamnés. Et l'homme a inventé le miroir. C'est vrai que dans certaines religions, il est interdit d'avoir le miroir. Parce qu'on dit que l'homme se reproduit par le miroir. Il y a un autre miroir que nous ne pouvons pas voir nous-mêmes. Mais la que nous avons, nous le sentons, c'est notre conscience. Conscience. Hein? Donc nous nous regardons en permanence, on sait que ce qu'on fait là n'est pas bien. Et combien de fois quand vous regardez le miroir,
même si vous vous mentez, vous savez que bon, vous êtes mal en forme, vous mangez mal, vous buvez trop. Pour certains hommes, vous avez les boutons parce que vous ne l'avez pas les oreillers, vous faites ceci. Donc le jugement, nous l'avons, vous comprenez. Et donc, il y a des pauvres gens qui suivent ce mouvement. On essaie de les reconvertir au bon sens. Mais Trump lui-même est déjà condamné par l'histoire. Vous et moi, nous savons qu'il est tout sauf un démocrate. Et nous savons tout que c'est un petit fasciste, dictateur, qui n'a pas réussi son coup. Malheureusement pour lui, il s'est attaqué à ce qui est la première puissance du monde. Et ça veut donc dire qu'il faut qu'on réfléchisse sur les gens qu'on élit dans les pays puissants. Ça veut dire que ce gars peut pouvoir appuyer sur la bombe atomique. J'exagère, mais c'est pas loin. Parce que si ça en prend à ce qui fait la puissance d'Amérique, la démocratie, s'il avait eu l'occasion, il aurait appuyé sur la bombe contre l'Iran, contre Sao Tomé, contre même le plus petit pays du monde. Ce gars est un danger pour l'humanité. Et l'humanité n'a pas besoin de ce genre de gens. Il a la place à côté de Néron, à côté de tout ce qui incendiait Rome, les grandes villes, à côté d'Idi Amin Dada. Je peux lui trouver encore quelle compagnie là. Je lui trouve quelle compagnie. Peut-être à côté de Kamto aussi. Pas encore. Non, bon, ok. Maurice Kamto n'est pas là-dedans. Bon. Mais ceux qui n'acceptent pas les résultats des élections peuvent aller jusqu'au déraillement du genre Trump. Il faut faire attention. Merci Hervé-Emmanuel Combes. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci surtout de votre disponibilité. Je sais que vous êtes extrêmement bousculé. C'est dans moins de 48 heures. Je demande à Inongatu, je sais pas, j'arrive, même si c'est à minuit, là je vais quitter à 22 heures les studios. Salut Karl et nous. Non, merci beaucoup. C'est une très bonne... Si ça a permis aux Camerounais d'aimer le chant, de venir au stade et de comprendre un peu à ma manière, j'ai essayé. Maintenant, je peux me tromper. Je demande pardon, mais à coup pas. On va s'améliorer pour la campagne. Absolument. Moi, je ne suis pas Donald Trump. Hein. Si je me trompe, Donald Trump se trompe. Non, bon, ok. Je ne suis pas certain. Si j'ai perdu les élections, je respecte les résultats. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. À jeudi prochain.